d'un pays de 274 000 km², où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain, déjà à l'Union. Je viens à cette terre, en 9e session, vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'assumer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs, comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle.